On va suivre, alors que les élus, on sait bien, nous rejoignent, on va retrouver dans quelques instants. C'est le premier passage, alors le leader actuellement est le 242 qui est normal. Ensuite on avait le 6 qui était dans le côté du gros cyclisme. Ensuite on avait également le... Ils ont un retour, Maxi. Ils ont un retour. Et actuellement, c'est en train de se décanter à l'avant. Tout doucement, nous sommes dans le premier passage. Bon, tout à l'heure, j'étais en train de regarder de toute façon. Et ensuite, on a les spécialistes du VTT. Les coureurs de Monceau, VTT, très à l'aise également sur ce genre de parcours. Alors, le Creusotin en tête actuellement, il est à son dernier tour. On va l'applaudir très fort. Regardez l'aisance déjà et la tonicité qu'il a. Allez, appuie. 42. Appuie, Marius. Il s'agit du Dante Mastro, champion de gagner en titre en VTT et en deuxième position. Allez, voilà, allez, mon grand. Coureur du Vélo Club Charolais, notamment. 54, 56, les 54, c'est Lucas Grisard. Ensuite, on avait juste derrière. Oui, ça c'est dommage. Ensuite, on avait le Dossard, 50, qui était Aristide Moreau, en quatrième position. Ensuite, allez, Cyril, c'est bon. Allez, Cyril, c'est bien, on est comme ça. Allez, vas-y. Allez. Le 52 également, bien placé. Allez, Yannick Janin, du Vélo Club Charolais. Allez, dernier tour. Lucas Mazier du Monceau VTT. Allez, 42,
qui est ligne opposée d'ailleurs, qui va l'emporter. Alors, le coureur du peloton cyclisme qui avait terminé deuxième à Mercurey, troisième à Plissé, troisième à Châlons, va remporter encore une belle victoire. Aujourd'hui, lui qui est champion provenant en titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Dossard 42, qu'on va suivre dans quelques instants. Il était suivi tout à l'heure par le Dossard 54, qui était Lucas Grisard du Vélo Club Charolais. Voilà, voilà, voilà. Alors bien sûr, on est à l'arrivée dans quelques instants du vainqueur de la catégorie pupille. On aura suivi ce cyclocross pupille. Ils étaient 16 du 40 au 56. 42. On va le féliciter, le champion de Bourgogne en titre, Hugo Antunes du Creusot Cyclisme qui l'emporte. Bravo. Et il en avait encore sous la pédale, vous voyez. Il sait déjà manifester sa joie. Et en deuxième position, on a changé le coureur. C'était tout simplement Marius Gauthier, son rival. Et en troisième position, maintenant encore un concurrent. Tout à l'heure, nous avions deux creusotins. Le troisième, il s'agit de Aristide Moreau du Vélo Club Montsolien. Et en quatrième, il était deuxième tout à l'heure, notre concurrent Charolais qui en termine maintenant le Dossard 54, Lucas Grisard, quatrième. Le cinquième maintenant, encore un coureur du Vélo Club Charolais, cinquième. Le 52, Yannick Janin, cinquième. Allez, on applaudit le sixième maintenant, et très fort, il s'agit du Dossard 48, Alexis Dufour. Là, on est à six concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Allez, on applaudit également le Creusotin qui en termine maintenant le 55, Cyril Pérou du Creusot Cyclisme. On est à 7 coureurs. 7 coureurs à l'arrivée. La 8e place maintenant. Après le 55, on avait le 47 tout à l'heure. Ah, on a changé. Allez, on applaudit jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout. Et c'était 53. Clarisse qui t'y dit bravo. On en est arrivé maintenant, on applaudit très fort. Félicité comme il se doit. 11e place maintenant, 12e place d'ailleurs. On va aller jusqu'au bout. Voilà, on a tout donné. Voilà, l'arrivée maintenant du 46. Non, j'ai dit les yeux, ça arrive, je me suis trompé. Voilà, le 13e maintenant, on l'applaudit très fort, son coéquipier. Et le 3e, Aristide Moreau, du Vélo Club Montsolien. L'arrivée sous vos applaudissements de Bastien Renaud, du Vélo Club Charolais. Voilà, en coup de cœur, les voilà tous qui ont terminé maintenant, sous nos applaudissements, bien sûr. Oui, Pupille maintenant. Elle a terminé 8e au scratch, la première féminine, Clarisse Chettini du Team Mercurey. Clarisse, on l'applaudit très fort. Voilà, Clarisse. Vous voyez, avec les garçons, c'est même très bien défendu. Première féminine. Voilà, en tout cas, du Team Mercurey. Clarisse, est-ce que ça va là-haut? Ça va pour le moment? Oui? Voilà. Alors, le vainqueur. Alors là, il a dominé un bout en bout. Le creusotin Hugo Antunes. Hugo, on l'applaudit très fort. Il est là. Bravo Hugo. Voilà une belle victoire de bout en bout. D'ailleurs, il domine souvent, toute l'année, il est sur le podium. En fait, ce sont déjà des spécialistes. Le deuxième, encore Creusot Cycliste, Marius Gauthier. Marius Gauthier. Troisième, voilà le podium. Voilà, Aristide Moreau du Vélo Club Montsolien. N'importe quoi, c'était parce que j'ai vu la fille et j'avais compté trois, mais non. Ils sont bien le troisième, excuse-moi, Aristide Moreau du Vélo Club Montsolien. Ah oui, ça aurait été vraiment injuste que je ne l'appelle pas. Alors, on monte le trophée très haut et on applaudit très fort le podium et on va continuer. Alors, quatrième, alors je m'excuse encore une fois, Lucas Grisard du Vélo Club Charolais. Allez, Lucas, est-ce qu'il est là? Cinquième, Yannick Janin, son coéquipier, on l'applaudit. Allez, voilà, c'est bien, ça suit. Sixième, Alexis Dufour, bonsoir VTT.
Allez, vous pouvez faire du bruit, hein, comme vous voulez. Alors, 7e, Cyril Perroux, Creusot Cyclisme. Bravo, Cyril. Alors, 8e, on l'a dit. 9e, Dimitri Guillemet, Monceau VTT. Alors, on a tous les coureurs de Monceau VTT maintenant. Voilà, bravo. Bravo, Dim. 10e, Nino Broski. Nino, s'il est là. Ezio, 16. 11e, Monceau VTT. Ezio. Ensuite, Lucas Mazzi, 12e. Cyril, Lucas, avance-toi. 13e, Julian Castanedo, s'il est là. 14e, Bastien Renon, du Vélo Club Charolais. Bastien, Vélo Club Charolais. 15e, Enzo Bouillard, Monceau VTT. Mettez-vous là devant. 16e, Amine Sabir, Monceau VTT. Et puis 17e, Ancelin Gauthier, Vélo Club Monceaulien. Ancelin, on a appelé, voilà. Alors, voilà. Il avait oublié. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai oublié personne. Allez, on fait encore. On lève les mains et on fait beaucoup de bruit pour les pupilles. Marius, Aristide et Clarisse. Voilà le podium et tous les autres. Bien évidemment, un beau peloton de pupilles. Alors on va demander à Hugo si ça s'est bien passé. Ah Hugo, tu es parti depuis le départ. Et puis ça s'est bien passé en fait. Dis-nous voir plus. Oui, ça s'est bien passé. Après ça a commencé à lâcher, mais après ça revenait. Voilà, en tout cas, ouais, on l'applaudit. Bravo, merci. Merci. Vous voyez, finalement, ça allait bien, puis après moins bien, puis après c'est reparti. Voilà, en gros, il a traduit sa course. Ben, c'est parfait, voilà. C'est ce que j'attendais, ni plus ni moins pour les autres. Bravo, en tout cas. Vous voyez, on se régale avec les jeunes.